Bene, ben arrivati, ben arrivate, grazie a tutti per essere venuti, grazie agli interpreti che ci aiuteranno. Io passo immediatamente il microfono alla segretaria internazionale della Felicams, Giuliana Mesina. Poi ovviamente mi verrà data tutta l'illustrazione da parte del coordinatore Gabriele, che è fianco a me. Come diceva lui, io sono Giuliana Mesina, sono una segretaria nazionale della Felicams CGIL, ho la delega alle politiche globali, quindi anche internazionali, diciamo. E oggi, come dire, cominciamo appunto questi lavori e mi fa piacere passare immediatamente la parola al segretario generale della Felicams di Firenze, che in quanto città ospitante, diciamo, con molto piacere di farà un saluto anche a nome delle altre organizzazioni, Fisasta, Benzit Books, delle Fiorentine, e quindi subito ve lo presento, Massimiliano. Sì, buongiorno a tutti. Io, a nome delle federazioni di CGIL, CISL e UIL, dei lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, intanto ti do il benvenuto, voglio dire, a Firenze. Siamo in una sala, diciamo, di una grande infrastruttura fiorentina, la Fortezza d'Abbasso, cioè questa, come avete letto sicuramente, è un luogo, tra l'altro, che viene, come si dice, organizzato da lavoratori i quali noi rappresentiamo. Quindi, sono i lavoratori, voglio dire, del polo fieristico, perché questa è una struttura che ospita, diciamo, i momenti più importanti della città dal punto di vista dell'esposizione, dal punto di vista, voglio dire, dei convegni e dei congressi. Quindi noi siamo quella organizzazione sindacale, appunto, e rappresenta anche questi lavoratori. Quindi io non voglio dilungare molto i lavori, vi porto ovviamente il saluto, il benvenuto delle organizzazioni sindacali e vi auguro soprattutto un buon lavoro in questi due giorni. Grazie. Grazie Massimiliano. Ora, non tanto perché io di origine sia fiorentina, però in generale, diciamo, anche come Felicams nazionale abbiamo pensato che fare queste conferenze, quindi fare lavorare in questi giorni in questa città, fosse un valore aggiunto. Ci auguriamo che anche nelle prossime ore per tutti voi essere qua diventi un valore aggiunto di queste giornate. E anche per questo ovviamente abbiamo invitato, abbiamo anche avuto il piacere, insomma, di avere qua l'assessore Pietro Roselli della provincia di Firenze, assessore all'agricoltura, proprio perché il benvenuto di questa città diventa un benvenuto anche a livello provinciale, anche per l'importanza ovviamente di trovarci qua in questa struttura, come diceva Massimiliano, anche in concomitanza con una manifestazione che qua è molto importante, avete visto, che si chiama Terra Futura, magari nei prossimi giorni avrete modo anche di visitarla, che non a caso parla di sostenibilità, e quindi ovviamente, insomma, ci sentivamo sicuramente in un clima per noi molto piacevole, nel quale ci sentiamo un po' a casa. Do subito la parola all'assessore Pietro Roselli. Grazie, rivolgo molto volentieri un saluto agli organizzatori e a tutte le delegazioni che sono intervenute a Firenze per questa importante assise in ordine alla organizzazione sindacale sovranazionale, perché io mi occupo di agricoltura nella provincia di Firenze. Voi siete di settore, sui servizi, commercio, artigianale, commercio e turismo, che è molto affine, soprattutto è affine ad una moderna agricoltura come c'è oggi in Europa, che è un'attività di multiservizi. Qui è tipico in Toscana che le attività agricole siano intimamente connesse con l'attività della ricettività, dell'agriturismo, dell'ospitalità, dei beni culturali. E cosa accade? Accade quello che voi oggi vi ponete come questione di contrattazione che
non è più nell'ambito dell'azienda a sé stante isolata, anche nel settore, nel mio settore dell'agricoltura, ero stamani mattina nel Chianti incontro in un'azienda che appartiene al gruppo Beringe, a sua volta nella holding del gruppo Forst multinazionale australiano, e quindi quella piccolina o piccola azienda del Chianti sta in relazioni internazionali in ordine all'attività marketing di proprietà e quindi anche come dire, i diritti e le condizioni di lavoro hanno, devono avere questo tipo di relazione. Il nostro mondo occidentale si era illuso che poteva reggere i processi di mondializzazione della concorrenza delocalizzando le attività laddove il costo del lavoro era inferiore. È stata una pia illusione trasferire in Romania o in altre parti le attività produttive. Noi dobbiamo invece partire dal rispetto dei diritti, della corretta organizzazione del lavoro, della qualificazione del prodotto, perché solo così si può reggere la concorrenza e continuare ad affermare nel nostro vecchio continente buoni servizi, buoni lavori e anche una buona produzione manifatturiera che potrà rende ancora capace di competere sulle piazze internazionali. Quindi il nostro è con grande soddisfazione e un augurio di buon lavoro qui a Firenze su un tema oggi fortemente importante e attuale. Grazie all'assessore, anzi mi dà, come dire, il gancio per proseguire, diciamo, in queste prime immagini e prime parole di benvenuto, perché in questi giorni parleremo di multinazionali, parleremo di globalizzazione e noi avevamo invitato Francesco, scusate, per gli amici Francuccio Gesualdi, che molti di voi conosceranno, no? Il fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, la persona che qui in Italia ha lavorato moltissimo per il concetto di consumo critico e con il quale nelle ultime settimane, negli ultimi mesi anche noi abbiamo lavorato molto nell'ambito delle campagne abiti puliti. Che peraltro in queste ultime ore, in queste ultime settimane, diciamo, hanno ottenuto il grande successo, purtroppo successivo al crollo del Rana Plaza a Dhaka, che tutti voi avete visto, che ha provocato più di 1000 morti. Non poteva essere presente a portarci la sua testimonianza per quello che riguarda ovviamente, diciamo, la cooperazione e la solidarietà a livello globale che cercano ovviamente, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, di innalzare le condizioni di lavoro e le tutele, onde evitare appunto questi effetti delle delocalizzazioni e degli effetti negativi di una globalizzazione che va alla ricerca di condizioni disumane di lavoro per risparmiare, ovviamente per innalzare i profitti. Quindi Francesco Gesualdi non poteva essere presente, però è stato così cortese da inviarci un video messaggio che noi ora cercheremo di farvi vedere al meglio e sentire al meglio, dove lui stesso fa l'accenno ovviamente alle campagne Abiti Puliti, che noi ritenevamo fossero molto in tema in due giornate in cui si parla di multinazionali transsettoriali, proprio perché tra l'altro anche in questo settore e noi ne siamo coinvolti nell'ultimo pezzetto della filiera, perché occupandoci di commerciare magari appunto anche prodotti di abbigliamento, e appunto con molto piacere vi portiamo anche il saluto di Francesco Gesualdi. Buongiorno, sono Francesco Gesualdi e desidero portare il saluto del Centro Nuovo Modello di Sviluppo e della campagna Abiti Puliti, due organizzazioni di cittadinanza attiva che si battono a fianco dei lavoratori del sud del mondo per la difesa dei loro diritti sindacali. Il nostro ambito specifico di attività è quello del settore abbigliamento e calzaturiero, che prima degli altri hanno cominciato i processi di delocalizzazione produttiva.
sono questi due settori ad ampia frammentazione dove i grandi marchi che possiedono i marchi stanno abbandonando quasi totalmente la produzione per concentrarsi invece soltanto sulla fase commerciale e delegano alle imprese terze del sud del mondo l'appalto della produzione dei loro capi di abbigliamento. Noi interveniamo sempre su richiesta dei lavoratori ogni volta che si verifica una violazione dei loro diritti e il nostro compito specifico è quello di intervenire presso i committenti facendo tutta la pressione possibile attraverso i mezzi di informazione e attraverso l'invio di messaggi da parte dei consumatori e dei cittadini per indurli ad intervenire presso i loro fornitori affinché cambino i comportamenti nei confronti dei loro lavoratori. Siamo intervenuti in questi ultimi anni a fianco di lavoratori indonesiani, a fianco di lavoratori vietnamiti, cinesi e purtroppo anche bengalesi, soprattutto per quanto riguarda incidenti che compromettono addirittura la vita di questi lavoratori. E fra gli incidenti ultimi che sono avvenuti sicuramente c'è l'incendio alla fabbrica Tazrin di circa un anno fa, che ha ucciso circa 115 persone e l'ultimo in ordine di tempo, forse il più grave addirittura nella storia della produzione industriale, il crollo del Rana Plaza che ha ucciso 700 lavoratrici. E purtroppo ecco, in queste situazioni succede sempre che c'è un grande rimbalzo di responsabilità. I committenti rifiutano di pagare adducendo così il pretesto che loro non sono responsabili diretti della produzione, i proprietari delle imprese non pagano adducendo come pretesto che oramai si trovano in grande difficoltà economica e la conclusione è che le vittime non ricevono più nessun tipo di indennizzo da parte di chi che sia. Ecco, noi crediamo che in queste situazioni debba valere il principio della responsabilità in solido, in quanto tutti i soggetti che si avvalgono dei vantaggi della filiera produttiva trasferita in questi paesi dove la licenza di sfruttamento è così alta, poi debba così spingerli ad assumersi la propria responsabilità quando avvengono questi disastri che appunto compromettono le vite umane. La nostra possibilità di riuscire nella nostra azione di sostegno sarà tanto più alta quanto più riusciamo ad ottenere così solidarietà e a creare alleanze a tutti i livelli, per cui noi ci auguriamo fortemente che da parte delle organizzazioni sindacali, sia quelle italiane ma anche quelle europee, ci sia così la disponibilità a collaborare sempre di più tutti assieme per riuscire a far trionfare i diritti sindacali dei lavoratori del sud del mondo così spesso messi a repentaglio. Ecco, con questo augurio di una collaborazione futuro, io ripeto di nuovo l'augurio di buon lavoro da parte delle vostre due conferenze. Grazie. Donc on remercie Francesco Gesualdi, mais non, on va vraiment commencer à rentrer dans les détails du projet duquel on s'occupe cet après-midi et demain, toute la matinée. Donc le projet Mumia, je ne vais pas perdre du temps en fait, parce que pour expliquer l'acronyme, c'est notre coordinateur qui va le faire et c'est lui qui va justement qui s'occupe de l'organisation internationale pour PhilCAMS et CGL et qui coordonne aussi ces projets spécifiques. Donc, personne mieux que lui puis l'ajuster dans les détails. Il s'agit d'un projet, comme vous avez vu dans votre dossier, comprend plusieurs partenaires et qui est très vaste, non seulement pour les sujets qu'il traite, mais aussi pour l'organisation, les structures qu'il implique, a une importance internationale. Comme vous, aujourd'hui, même dans la salle, il y a beaucoup de pays qui sont représentés, et donc aussi de personnes qui sont venues se renseigner à propos de ces projets. Donc c'est Gabriele qui va parler immédiatement. Je vais lui donner la parole. Alors merci Giuliana, merci à tous ceux qui sont présents.
Et avant de commencer avec ma présentation du projet, parce que vous aussi, vous allez contribuer, et quelques informations d'ordre technique, parce qu'un événement de ce type, comme beaucoup d'entre vous savent déjà, savent aussi que pendant toute la phase d'organisation, l'ouverture et même après, il y a des inconvénients. Et donc, il faut être prêt à faire des modifications en cours. Certaines modifications ont déjà été faites, d'autres seront faites, aussi bien d'ordre technique qu'organisationnel, et aussi pour ce qui est de l'ordre du jour. Alors, nous, en tant que Philcamps, on n'a pas de chance pour ce qui est de nos rapports avec l'Islande, parce qu'au cours de la conférence qu'on avait tenue à Riccione il y a quelques années, la plupart de délégations étrangères n'avaient pas pu participer parce que, vous vous rappelez bien, il y avait des éruptions du volcan d'Islande, donc beaucoup de délégations n'avaient pas eu la possibilité d'arriver. Donc, M. Ulysses Garrito, qui s'occupe de l'organisation de l'institut syndical, en ce moment, il est en Islande, il n'a pas pu partir, donc on a dû modifier notre ordre du jour, donc on a modifié l'interview, par exemple, de Luis Garrido, qui avait été prévue pour cet après-midi, sera montrée demain, comme l'interview sur les comités d'entreprise et les alliances. Et on souhaite qu'il puisse arriver à temps. Donc, on fera une nouvelle modulation de notre ordre du jour. Mais la bonne nouvelle est que demain, on aura une demi-heure en moins de débat entre les deux table ronde, mais aujourd'hui on aura un quart d'heure de travail en moins, donc vous pourrez aller visiter la ville, vous aurez un quart d'heure en plus de temps pour le faire. Donc ça, ce sont les informations d'ordre technique. Maintenant, je vais expliquer pourquoi on a présenté ce projet, pourquoi on l'a dénommé Mumia, parce que Mumia en italien c'est mommy, c'est-à-dire quelque chose qui est immobile. Et de notre point de vue, représenter un peu les syndicats par rapport à la vitesse de changement de ces entreprises multinationales et surtout des entreprises qui travaillent dans des secteurs différents. Donc, on voulait passer de cet immobilisme à quelque chose de plus. Aujourd'hui, on a même le logo qu'on a testé au mois de janvier. Donc, cette Mumia, qui était quelque chose d'immobile, a fait une évolution, elle est en train de marcher. Donc, on souhaite qu'elle puisse avoir les outils syndicaux et généraux pour nous permettre d'avoir un processus meilleur. Aujourd'hui, dans les comités de pilotage qu'on a tenus ce matin, on a défini et mieux établi les années pendant lesquelles le projet a travaillé, on a établi quelles sont les perspectives. On a décidé de mettre à jour le document final sur la base du débat qui va se dégager de cette conférence. Une conférence qui a été organisée sur la base de ces caractéristiques pour représenter les différents sujets qui seront traités, qui ont été traités par ces projets aussi. Donc la première image n'est pas trop claire, mais je l'ai mise parce que M. Gesualdi n'a pas pu venir. Et ça, c'est la liste du centre que les centres nouveaux développement publient chaque année. Donc c'est une liste qui réunit le chiffre d'affaires, le produit intérieur brut des États souverains et des multinationales. Ici, nous avons seulement les 90 les premières sociétés. Vous avez Woolmark, par exemple. On ne l'a pas en italien, on ne souhaite pas l'avoir. Qui a le 25e chiffre d'affaires absolu. Ensuite, on a les autres. Et comme vous voyez déjà dans la troisième colonne, en jaune, vous avez les entreprises. Il y a plus d'entreprises que d'États souverains qui ont un chiffre d'affaires élevé. Voilà, ce sont les entreprises avec lesquelles nous, en tant que syndicats, nous devons nous confronter.
Voilà, ça c'est une résumé, c'est un résumé extrême d'une réunion à laquelle on a participé. C'est la réunion annuelle de la Confédération européenne des syndicats qui est faite sur les comités d'entreprise. Et ça, c'est après la nouvelle directive. À la conclusion de cette réunion, on a défini 4 priorités que le secrétaire européen qui a la délégation au comité d'entreprise a déjà exposé. Donc, c'est-à-dire implémenter l'information et la consultation, ça c'est en général, limiter le périmètre de la confidentialité des données et des informations, et ça c'est un problème important qu'on a à l'intérieur des comités d'entreprise, plus de formation, et c'est demain qu'on va parler de ça. Ensuite, il faut nous équiper pour l'intersectorialité des multinationales et en particulier des groupes. Donc, nous sommes en train de nous concentrer sur ces derniers points, et c'est sur ces derniers points qu'on soumet notre projet en harmonie avec ceux qui vont gouverner demain, ceux qui vont participer demain à la table ronde sur les comités d'entreprise européens. Alors pourquoi Philcams propose ces types de projets, le projet Mumia? Alors, comme vous le savez, Philcams, comme beaucoup de catégories italiennes qui ne sont pas présentes dans cette salle, a une caractéristique particulière et s'occupe normalement de la dernière phase de la filière de production ou de production, distribution des services. Nous, en Philcams, on connaît où est la bouche du fleuve, mais on sait si c'est un type delta ou estuaire, mais souvent il est difficile de comprendre où est la montagne, où est la source, quels sont les affluents, les lacs, les terres qui sont rencontrés par ce fleuve le long de son parcours. Nous sommes le dernier anneau de la chaîne, la dernière maille de la chaîne. On sait qu'on peut accomplir une ou plusieurs activités dans notre territoire, dans notre pays, mais on sait si on est présent, si la société est présente dans notre secteur, mais il est difficile de remonter à la maison mère de cette entreprise. Par exemple, les quartiers généraux aux États-Unis, les productions sont en Asie, la distribution et l'assistance technique, hein, beaucoup de pays, même en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'occupe surtout de la dernière phase, distribution et assistance. Et c'est à partir de là qu'on prend la dernière maille de la chaîne de ces entreprises. Pour nous, il est indispensable de connaître dans quel pays, dans quel secteur différent, cette multinationale présente, de manière à pouvoir impliquer les fédérations européennes et aussi les fédérations syndicales des pays qui sont impliqués, afin de constituer notre force, c'est-à-dire notre alliance syndicale. Une alliance syndicale qui est à la base de tout accord, toute convention collective possible, y compris les conventions utiles à former les comités d'entreprise européens. Alors, en tant que Philcams, nous sommes aussi associés à EFAT en Europe et à UniGlobal en Europe. Et on représente aussi un spectrum, plusieurs catégories d'organisations qui sont en Europe. Nous avons mis en évidence quels sont les différents secteurs qui sont suivis en Europe et les secteurs qui sont par Union Europe et ceux qui sont suivis par Philcams. Nous avons utilisé 2 couleurs parce qu'il y a des secteurs, par exemple, l'électricité ou bien le jeu ou bien... Et je regarde Massimo De Vita parce que c'est un secteur qui est suivi par beaucoup de fédérations où il faut, et donc c'est là qu'il faut avoir une coordination. Tout le secteur de la technologie de l'information nous voit à l'intérieur avec des catégories très différentes. Donc cette représentation nous indique aussi comment les besoins qu'on a de coordonner à l'intérieur même d'une organisation syndicale, non seulement au niveau national comme Philcams, mais aussi des fédérations européennes. Ça, c'est la représentation de la Confédération européenne des syndicats et vous avez EFAT et Europe, comme on est associé aussi.
Alors, le problème dans lequel, alors, le contexte dans lequel Mumia est né, c'est un contexte qui a été défini il y a quelques années, c'est-à-dire l'énorme différence entre le nombre d'entreprises qui avaient des dimensions communautaires et qui avaient le numéro pour pouvoir être insérées avec avec celles qui avaient le comité entreprise et le nombre de comités d'entreprise réellement constitués. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle le projet Mumia est né. Donc la base des données de l'Institut syndical européen a enregistré beaucoup d'études nationales et on avait pu vérifier que 10% de ces multinationales avaient des gens à un périmètre multisectoriel. Et ce périmètre multisectoriel allait doubler ou devenir arriver jusqu'à 20% quand on parle de groupes d'entreprises. Et l'histoire du comité d'entreprise européen est représentée ici de manière synthétique, dont en 20 ans, à partir de la première directive, on a constitué environ 1200 comités d'entreprise, en moyenne 60 comités par an. Même s'il y a des périodes plus intenses, immédiatement après l'approbation des directives. Au moment où le projet Mumia a démarré, donc il y a 2 ans, les comités d'entreprise actifs on avait 900 comités actifs, et déjà à cette époque-là, ils devaient renégocier leur accord après cette directive. Donc sur 900 comités actifs, les multinationales qui pouvaient avoir droit à ça, on avait environ 1500 multinationales qui, même si étaient couvertes par la directive, n'avaient pas un comité d'entreprise installé. Donc, les situations en cours étaient d'environ 50. Voilà, ça, c'était les cadres de départ. Donc, dans ces contextes, ce qu'on avait essayé de représenter était une capacité, le développement de deux actions parallèles qui ne faisaient pas partie d'une photo, mais d'un film qui change constamment. Donc, c'est ça aussi la difficulté. Donc, nous avons des situations. La première situation est la situation de comité d'entreprise installé. On a dit qu'il y en a 900 environ. La deuxième situation est les comités d'entreprise installés. Alors, par rapport aux comités déjà installés, un élément essentiel qu'il faut évaluer est que, en règle générale, nous avons des utilisateurs potentiels, syndicalistes, de composants, et participants au comité qui sont en état de représentants effectifs ou bien qui ont des charges même plus importantes, président, secrétaire. Ensuite, on a, si on dit vice-président en français ou en belge, ils ne sont pas contents. Si on dit aux Allemands secrétaire, ils ne sont pas contents. Donc, on a 2000 personnes auxquelles il faut s'adresser. Ensuite, nous avons tout un parterre beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, de 1400 entreprises où les comités d'entreprise pourraient être constitués, mais qui ne sont pas jusqu'à cette date. Donc, nous avons besoin d'améliorer les processus de constitution de comités d'entreprise européens, mais nous devons aussi améliorer les conditions pour avoir des syndicalistes qui sont plus efficaces, plus préparés, pour atteindre cet objectif. Dans ces contextes, il faut faire une réflexion. Bien évidemment, j'ai fait cette présentation ce matin, même avant, mais un des points qui s'est dégagé dans les objectifs dont on a parlé ce matin, c'est que, bon, il est bien vrai qu'il faut se poser des problèmes même de type technique, d'ingénierie, donc de solutions, de problèmes, de processus. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi une valeur politique qu'il faut soutenir, qu'il faut pousser, parce que la dimension du problème au niveau européen est
souvent mis en deuxième, au deuxième rang, et surtout dans les moments de crise, comme le moment qu'on a, la situation actuelle. Parce que si, par exemple, au sud de l'Europe, les droits sont mis, sont discutés, sont, parce qu'on les considère comme un luxe, surtout les droits syndicaux, les droits de travail, on peut imaginer quel est l'impact politique négatif qu'ils peuvent avoir dans une activité constante, journalière, de travailler, de travailleurs, de délégués et syndicalistes, pour ce qui est, par exemple, des activités qui ne sont pas liées à la défense de poste de travail, etc. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on a ces problèmes dans le technique pour améliorer notre capacité et efficacité, mais nous ne devons pas sous-estimer dans ces contextes le rôle politique et syndical du syndicat. Quand le projet Moumia a démarré, on avait ces numéros. Ensuite, Romek va nous donner les numéros, le bon numéro exact, parce que c'est lui qui est l'expert. Mais dans l'évolution qu'on a fait, on sait que la situation s'est améliorée dans le sens qu'on a dépassé les 1000 comités d'entreprise installés. Et on sait que sur ces 1000 comités d'entreprise, la composition est différente. La plupart, plus que la moitié, sont dans la fédération qui a été unifiée, qui a unifié presque toutes les catégories industrielles, donc 550, c'est pour Industrial. Au niveau Europe, qui sont dans ce périmètre, c'est environ 150, et EFAT pour la filière agroalimentaire. En plus de ça, je vous donne d'autres données. Il y a maintenant en cours 60 négociations avec des groupes spéciaux. Je ne sais pas si c'est tous pour des nouveaux comités d'entreprise ou de UNICAE. On a environ 80 qui sont dans les sociétés européennes. Et à cette date, nous avons, et c'est Folk qui est l'expert à ce sujet, nous avons environ 220 accords globaux. Voilà, ça c'est le numéro. Et nous avons une situation, nous devons nous confronter à une situation particulière, très particulière. Ces données ne sont pas récents, mais ils sont officiels et représentent les vraies données. Les organisations en Europe détruisent plus de travail que le poste de travail qui sont recréés. Ça, c'est l'histoire des premières années des crises. Depuis le début de la crise jusqu'à l'année dernière, on a perdu 1,8 million postes de travail. Le chômage. Bon, il y a des pays qui ont un taux de chômage plus élevé ou plus bas, mais on a 25 millions de chômeurs au mois d'août 2012. On a un pays européen énorme qui est constitué des chômeurs. Du mois d'avril 2012 jusqu'à la fin de l'année, on a eu 335 réorganisations pour des raisons de faillite, repositionnement, etc. Mais les résultats, aussi bien pour la faillite que pour le repositionnement de l'entreprise, pour nous, ne changent pas, dans le sens que si ces réorganisations sont faites dans l'industrie, dans les transports, dans la finance ou dans les services, ces opérations ont créé moins de 50 000 ont créé 50 000 places de travail, mais ils en ont détruit 150 000. Donc, il faut se confronter avec cette situation. C'est pour ça qu'il faut reprendre l'appel qu'on a fait ce matin. C'est vrai qu'il faut combattre, lutter contre la crise, mais il ne faut pas renoncer aux outils, surtout pour ce qui est des comités d'entreprise, il ne faut pas renoncer aux outils qu'on a déjà. Parce que sinon, on perd dès les débuts. Les comités d'entreprise européens, en tant que premier objectif de la stratégie, doivent nous donner une possibilité en plus pour faire quoi? Pour prévoir les changements et pour pouvoir les anticiper. On sait que les choses ne se produisent pas d'un jour à l'autre. Les entreprises, surtout les entreprises multinationales, ont des processus décisionnels très long. On sait, on fait partie de ce processus. Donc, il faut faire tout le possible pour améliorer notre activité, pour prévoir ces décisions, pour les anticiper. Donc,
droit d'information ou de consultation pour prévoir et anticiper les changements, mais les comités d'entreprise ont aussi une autre fonction qu'on verra lancer ici, et on en parlera surtout demain matin. Les comités d'entreprise, même si les processus semblent être renversés, mais il faut raisonner sur ces processus. Mon avis aussi est que si on avait eu des alliances syndicales européennes, globales et fortes, il aurait été plus facile pour nous de construire des négociations, des conventions collectives, de les construire. Aujourd'hui, la photo actuelle est différente. C'est pour ça que c'est avec ça qu'il faut faire les comptes. Donc, il faut, même dans cette fonction, il faut être une base de référence pour pouvoir négocier des conventions globales. Alors, le projet Mumia, au cours de ce mois, en plus des 5 ateliers qui ont été organisés dans les différents pays, sans participants, surtout des délégués du comité d'entreprise, a développé aussi des outils de recherche. Nous avons travaillé surtout sur des questionnaires. Nous avons produit un questionnaire en 4 langues qui a été soigné par CGL. On en a collecté 50. Après, on va voir les résultats de ces questionnaires. Et nous avons aussi vérifié que les questionnaires classiques d'une dynamique comme Mumia, c'est-à-dire une dynamique qui essaie de vérifier les difficultés dans la phase de construction de ce processus, il était assez difficile d'avoir de réponses seulement sur la base de ces questionnaires. Pourquoi? Parce que la plupart de fois, ceux qui ont construit les processus de négociation, ce qui est arrivé au comité d'entreprise, n'est plus les membres actuels. Donc, on a jugé opportun de renforcer ces types d'enquêtes par deux autres outils. Le premier était un outil dans les interviews aux témoins privilégiés, donc des experts, ceux qui avaient dans une entreprise ou dans un autre secteur plus large une expérience de construction de comités d'entreprise, et c'est Massimo Menzi qui s'est occupé de ce côté-là. L'autre, c'était des cas d'études sur des entreprises spécifiques. On a identifié un certain nombre, donc on en a identifié 9. Il y a une faute graphique ici, mais bon, c'est pas grave. Toutes les entreprises que nous avons identifiées comprennent au moins 2 organisations syndicales européennes. Bosch, par exemple, comprend Industrial, c'est un syndicat, ça ne fait pas partir de Bosch, donc UNI. Tous les autres qui ont des transports au UNI, vous voyez, c'est dans le chemin, UNI est toujours présent. Donc, nous avons concentré sur ces syndicats dont on est associé cette activité parce qu'il est toujours présent. Ces cas d'études ont été soignés par Gianluca et on en parlera tout à l'heure. Tous ces matériels seront disponibles et publiés durant cette conférence. Ils seront publiés sur les sites, probablement en anglais et en italien. Et donc, sera disponible, donc on ne va pas parler encore sur ça. Donc, notre but est le suivant. Avec le projet Mumia, essayer de comprendre comment améliorer notre action syndicale, pas uniquement politique, mais aussi organisationnelle. Donc, nous avons trouvé que très souvent, sont entre différentes organisations et délégués syndicaux, entre syndicaux nationaux et même européens, dans ces rapports, ces relations, il y a beaucoup de barrières d'entrave. Donc, on s'est bien focalisé surtout sur la barrière linguistique, les langues. Encore une fois, je voudrais remercier nos interprètes, nos collaborateurs, parce que les langues, voilà donc une entrave dépassée. Mais il y a d'autres entraves, d'autres barrières,
comme par exemple son histoire, ses habitudes, et même sa façon de vivre, d'agir. Et peut-être il y a un manque de communication entre syndicalistes. C'est difficile de communiquer, donc la façon de trouver, donc il faut bien trouver une méthode commune, conjointe, un langage commun, conjoint d'être syndicat au niveau européen, pas uniquement avec l'emploi des langues, mais même avec les modes d'agir. Voilà donc l'un des côtés à ne pas négliger, donc. Et en plus, dans ce contexte, donc, nous devons même trouver donc des méthodes opérationnelles tout à fait communes. Donc voilà donc un pas tout à fait important, une étape importante à franchir. Donc une autre chose que nous avons même considérée, et le site est toujours, dirais-je, en fonction. Donc Marinella Mignorine avec nous ce soir. Donc Marinella, elle connaît très bien l'histoire. Donc vous avez donc un site qui est en train d'être préparé, un site web, donc bilingue, donc en deux langues, italien et anglais. Et déjà vous pouvez trouver donc les actes de la conférence et même de présentations qui ont été donc communiquées. Donc vous avez donc l'image, sa photo. Vous avez donc également la photo. Vous avez également Isabelle, pas uniquement Marinella. Isabelle aussi. Elle est aussi là. Isabelle et Marinella. Donc vous prenez note. Il y a même des mecs, mais ils sont tombés. Il y a des hommes également. Voilà donc la base sur laquelle nous allons travailler. Donc ensemble, nous tâcherons donc de mieux gérer l'info, les expériences à partager dans ce site. Donc je veux profiter et je vous dis que demain nous aurons la conférence de notre projet. Et donc brièvement, vous avez dans le site Mumia, vous avez même dans le même site, vous avez donc la première page, la page d'accueil donc qui est bloquée, Say First. Voilà donc un outil tout à fait important qui puisse nous permettre donc d'être mieux focalisé sur tout cela et de mieux communiquer. Je vous remercie, je m'excuse de la vitesse de langage, donc je m'excuse avec les interprètes et nous procédons. Et donc, à la suite, si possible, j'espère que nous pouvons donc réussir le coup. Je voudrais vous montrer donc passer une autre vidéo, une vidéo que j'aime beaucoup, voilà. Donc, je dois mettre mes lunettes pour arriver à trouver la vidéo. Voilà, nous sommes. Donc, en ce qui concerne les multinationales dans le monde. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado. Donc les organisations même de la mondialisation également. Et les autres actions de la mondialisation, bien tout cela n'est pas contrôlé. Il n'y a pas d'institution qui puisse contrôler, dirais-je, tout cela. Donc en quelques mots, toute la structure politique du monde et la structure qui est donc mise en péril par la mondialisation, les grandes multinationales, ne s'occupe uniquement des intérêts des pays émergents, mais aussi elles veulent même donc influencer les pays, donc n'importe quel pays, même les pays donc industrialisés, n'importe où. Voilà, tout cela donne force à notre espoir, à notre confiance. Donc les valeurs de l'humanité, donc du monde, ne pourront jamais être détruites, ces valeurs. On ne pourra jamais détruire les valeurs de l'humanité.